Un mot de sport avec la deuxième édition de la Tremblaysienne dimanche, événement important puisqu'il s'agit de la première course à pied des Yvelines depuis l'épidémie de coronavirus et le confinement. Le rendez-vous s'est tenu dimanche au Tremblay-sur-Mauldre au programme de parcours de 5 et 10 km. Une aubaine pour les coureurs étant donné le peu d'événements sportifs maintenus. Les propos recueillis et rassemblés par Patrick Jacques de Dixmude et Bichente Marien Santisteban. Cette année, nous avons 110 coureurs au départ sur le 5 km et le 10 km, avec par contre un inversement total de 80% de hors département qui viennent de tout le Grand Paris, voire même plus loin. Moi, ma dernière course, c'était au mois de mars, donc juste avant le Covid, effectivement. Et on le vit comme un événement sympa, on veut d'abord prendre du plaisir. Non, c'est très bien, et c'est bien mis en place aujourd'hui, donc ça va être top. Le port du masque, là où les distanciations sociales ne peuvent pas être respectées, est tenu, donc sur la zone de départ et après la zone d'arrivée, après le temps de récupération nécessaire et réglementaire.